Il y a une mouche là. A few moments later. Dans cette émission. Mais il y a cette putain de mouche qui me fait chier. Tu me se trouves. En fait, c'est un chinois. Je suis pas gros raciste en japonais, quoi. C'est tous les mêmes. Non, je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Je le pense pas, hein. Je le pense pas. Au cas où. Là, il y a l'autre partie qui part, mais on va pas jouer. Ça correspond à quoi? Pointe de choc, machine de guerre et apparition de temps. Ta spécialité. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas du tout regardé quoi que ce soit, donc je sais pas ce que c'est. Une spécialité, quoi. Une spécialité, genre. Je sais pas. Mais, genre, c'est un nom, un grade ou c'est. C'est... Bah, une spécialité, quoi. Mec, il me parle de trucs, il me dit qui c'est. Il en sait pas plus que moi. Ouais, moi, j'ai lancé la bêta, j'ai appuyé sur A. Ah ouais. C'est toi qui es bêta, putain. Est-ce qu'il y a la campagne dans la bêta, non? Non, maintenant ils vont pas péter le jeu, non. Mec, il balance la porte. J'ai jamais fini aussi mort de ma vie pour la... Avec une petite, toute petite rotation d'un temps de mignonne. Donc développer un clignet parce que faut travailler en cours de priorité, les os, la musculaire, parce qu'en fait il se développe moins facilement dans les dons. Il faut vraiment accentuer et mettre toute la base de ton âne là-dessus parce que sinon bah tu vas continuer avec un total physique. Donc aux haltères, moi j'aime vraiment beaucoup travailler aux haltères parce que c'est une meilleure amplitude, enfin moi c'est ce qui me frappe le plus de bague, donc on va faire comme ça. Et ensuite